Merci à toutes et à toutes, à tous et à toutes d'être là ce soir. Thank you all of you to be seated. And this is an outside masterclass. And as Andreas Larsson said, this is tasting in the rain. And I hope you will enjoy the tasting in the rain. I am very happy to share this masterclass with Mr. Andreas Larsson, the best sommelier in the world in 2007. We can applaud him. Et donc Andreas Larsson, qui a été meilleur sommelier du monde en 2007, est aussi bien sûr un ambassadeur des vins du monde et des vins français, et il adore la région du sud de la France et du Languedoc en particulier. Et c'était pour nous une occasion aussi de vous présenter un peu ce que nous incarnons ici, puisque dernièrement j'ai écrit un livre qui s'appelle « La nature au cœur » et on voulait bien sûr vous faire partager qu'est-ce que c'est qu'une masterclass à l'extérieur. It was important for us to share with you the spirit of a masterclass outside. And we want to do something special with Andreas. First of all, is for you to develop tonight your sensation and your feeling. Et peut-être que, avant de commencer, voilà, on peut fermer les yeux une minute, comme ça on va se laisser imprégner sous ces arbres centenaires et après on va commencer. We can close the eyes for 1 minute. Voilà, nous sommes prêts avec Andreas et nous allons déguster ce soir 13 vins, Andreas. Et même pour toi, je crois que c'est... I think even for you, this is the first time that you make an outside masterclass. It is indeed, and I think when we speak about terroir and the environment, I think it's, well, particularly being outside of here, because we know La Clap is a place which is very generous in terms of sunshine, but every time you go outside, you feel the wind, which is part of it. I also like in this, very often when we taste the southern French wine, we speak about the garrigue, which is, well, the wild herbs growing in and around the vineyards, but when we're outside, we can actually feel those scents, so... Pour moi, c'est pas l'habitude de déguster en dehors, mais c'est sûr que pour bien apprécier le terroir, on sait qu'ici, par exemple, la Clap, il y a beaucoup de soleil, un soleil très généreux. Mais tous les temps qu'on sort, on sent les vents aussi qui rafraîchissent un peu la vigne. On sent aussi les arômes de la garrigue, etc. Donc, et je pense que toutes les nouvelles expériences sont enrichissantes pour nous. Oui, and today it's earth, wind, fire and water. Yeah. C'est l'eau, la terre, le feu et le vent. Et le vent joue un rôle très important chez nous. Vous verrez, normalement, ce soir, le vent va se lever, qui va venir sécher les feuilles. Donc, the wind is going to clean and to dry all the leaves after the dinner. Let's start the masterclass. And as you can see, we start with the rosé, not... You know, a very particular rosé, and then we will have 5 whites, and we will finish with 7 reds. On commence avec le Clos du Temple, donc Clos du Temple 2020. C'est un rosé qui est fait à Cabrières. Cabrières, c'est un terroir unique qui est entre Pézenas et Clermont-l'Hérault. C'est un terroir qui est à la fois un terroir de schiste et un terroir de calcaire. Donc, c'est un terroir qui donne à la fois la verticalité et la texture avec des vieux cépages, Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah et une touche de Viognier. This is a very distinctive terroir made with limestone and schist. And the schist provides the texture and the limestone, the verticality, the minerality. 5 grape variety, Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre and a touch of Viognier. And we celebrate also something unique. We have done a very distinctive cellar with valve tanks with the shape of pyramid in order to pay a tribute for the Mediterranean civilization. On a fait un chai unique pour célébrer la civilisation méditerranéenne et aussi démarrer depuis les Égyptiens, les Grecs, les,
les Romains, les Visigoths, les Cathares. Alors, Andreas, qu'est-ce que tu penses de ce millésime 2020? Oui, tout d'abord, je pense que c'est audacieux de toi de créer ce temple de rosé parce que c'est tellement un terroir qui est dédié au rosé. Depuis longtemps, tu as raconté les histoires de Louis XIV, etc. Donc, c'est pas juste une nouveauté parce que c'était un terroir dédié au rosé et la richesse des vieilles vignes, surtout les cinceaux qu'on a vus. Et voilà, c'est aussi parce que les cuves de fermentation, elles sont formées après les parcelles. Donc, il y a 12 hectares et 11 parcelles. So, a very brave movement of you to create this. So, very minuscule, only one wine is being made, the Clos du Temple. 12 parcels, 12 hectares, 11 parcels, and the size of the tanks in the cellar, they are, have nothing to do with each other because they are adapted for. So this won't be a production that will be doubled next year or so. In the next 2 years. Coming back to the question, I think that 2020 is still probably too young. We have the habit of drinking rosé wines as young and fresh as possible. We still really don't know because this is game changer in terms of style of rosé. It's an élevage in barrels, which is not so common, only for top end rosé. So it's something that certainly should we should leave it, and probably in 3, 4, 5 years it will show more of its full glory. Oui, c'est important de pouvoir faire rentrer les rosés dans la famille des grands vins. Et un grand vin, c'est un vin qui a un potentiel de vieillissement. Et quand on peut faire vieillir les vins 5 ans, 10 ans, 15 ans pour un rosé, c'est une nouvelle habitude de consommation et on va découvrir donc des arômes secondaires, des arômes tertiaires. Mais la garantie avec la minéralité qui vient du calcaire et qui est magnifiée par la culture en biodynamie, la culture au cheval, ça veut dire que l'intention qu'on a donnée est une intention pour faire un grand vin. I just say that now we just introduce rosé into the family of grand vin, and between the limestone will provide the freshness, the minerality, and of course using the biodynamic practices, of course we will be able to keep the wine in the cellar for the next 15 years. Enjoy and cheers, and thank you for being there. À votre santé. Santé. Alors on va passer au deuxième vin qui est le Domaine de l'Aigle. Domaine de l'Aigle 2020. Donc c'est un chardonnay 100% sur la Limoux dans le village de Roquetaillade. Nous sommes entre 400 et 500 mètres d'altitude. Et c'est vraiment un endroit merveilleux. Nous avons repris ce domaine en 2006. Et j'ai beaucoup appris de la culture et puis de la vinification du chardonnay et puis aussi du pinot. I just say that we are here at Domaine de l'Aigle since 2006. And this is one of the best terroir in the south of France for producing Chardonnay and Pinot Noir. We are in altitude between 3 to 500 meters, that means 1,200 feet, sorry. And this is a very distinctive place. And the idea was to reveal the varietal and also the sense of place and to find a very distinctive character and style. And to me, this is a very, let's say, I suppose the role model for all Chardonnay in the world will be Burgundy. And without saying it's Burgundy, it's still, you still have a very Burgundian connotation because you have the limestone soils. And of course, this is the highest part of the, you know, the Limoux is four distinct climatic zones. And this is the Haute Vallée, which is giving the brightest and the freshest expressions of Chardonnay. And I think this is nicely combined. So you can feel still the generosity in the sunshine, but there's the fresh bite, the calcareous impact on the finish with and this is another one because this with experience, I remember when I visited the estate first time, I bought this and I bought the Pinot Noir to the restaurant. And last time I came there, I found some examples being 7, 8 years old. They are drinking tremendously well. So a very nice expression of Chardonnay from Languedoc. Yeah, and what do you recommend yourself in terms of food and wine pairing? Because I just want to say that Andreas Larsson is the best sommelier in the world, but he's also a chef. He owned a restaurant for several years. He's still consultant in Sweden. He's a global traveler, but he loves
you know, to make very interesting food and wine pairing. Andreas Larsson est aussi, en plus d'être meilleur sommelier du monde, est aussi un chef. Il a eu donc un restaurant pendant de nombreuses années. Il est toujours consultant. Et il aime bien sûr faire des accords mets et vins toujours très audacieux. C'est ma grande passion dans la vie. Et ici, avec ce style de vin, je pense directement des notes beurrées, des notes un peu citronnées, quelque chose comme un riz de veau sauté au beurre avec des noisettes. C'est toute la simplicité. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais pourtant, c'est très, très bon. So, to me, this is what I like with this are nutty flavors, also citric flavors. So, some lemon zest, hazelnut, plenty of brown butter and a seared sweetbread, which is a quite delicate and naked flavors that will really enhance the wine. And I'm already getting hungry. Me too. Je pense qu'on commence tous à avoir un peu faim parce que quand on commence à parler de vin, de cuisine et de recettes. Now, Andreas, we move to Château Hospitalier and Château Hospitalier White. Of course, Château Hospitalier, it's a very distinctive terroir. C'est un terroir de calcaire dur. Donc nous avons quatre cépages, mais nous avons surtout un cépage traditionnel qui est le Bourboulenque. Nous avons aussi du Grenache blanc, du Vermentino et du Viognier. Et nous avons un élevage en barrique de 7 mois. Voilà, donc le climat est très particulier ici puisque nous avons aussi le vent qui vient de la mer le soir dans un climat plutôt sec, sauf ce soir. Voilà, donc we have a very special climate and today we had four seasons in one day. We are very happy. It's a cool climate tasting as well. Yes. Andreas? Well, everyone speaks about cool climate, but it's not always the solution. To me, in the range of the white wines, this is the most typical Southern French, I would say, because we have three of the traditional Southern French varieties, Bourboulenque, Vermentino, and Grenache. And I particularly think that Bourboulenque and Vermentino, they are grape varieties that, even in warmer and drier climates, they manage to keep the freshness. I think this is not a wine on the opulent side. To me, this is rather displaying some of the Mediterranean herbs. We are more on the lemongrass on the citrus side. I think the oak is nicely underlining this wine, but it still keeps this. And again, of course, it's always a bit controversial, you know, speaking about the term minerality, which can be debated. However, tasting this, I really think that there's like a lot of wines from being close to the sea. There's this kind of salty, savory sensation on the finish. Donc, je trouve c'est tellement le vin de dans la gamme qui représente le mieux le sud de la. Les autres vins sont très bons, mais au niveau des typicités, quand on parle de cépages traditionnels de la région, je suis un grand fan des Bourbolins, qui Vermentino. Parce que ce sont tellement des cépages capables de garder beaucoup de fraîcheur, même dans les climats très ensoleillés. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec ça, Andreas? Oui, ça, c'est un poisson tel d'une lotte. On barre, on croûte du sel. Donc, des saveurs, c'est plutôt le vin qui chante au lieu de la sauce. On peut rajouter peut-être un peu de crustacé, un bouillon de moule avec un peu d'herbe. So, a sea bass or a monkfish in a salt crust with some herbs. I'm getting even more hungry now. Yeah, stop, yeah, Jared. Yeah. En français? J'ai dit. Ah, tu as dit. Ok, bon. Alors, donc, vous avez. Moi aussi, je pense que c'est effectivement un loup en croûte de sel. Parce qu'en fait, ce qui est important avec ce vin, c'est qu'on salive. Et là, on peut beaucoup contrôler de choses, mais on ne peut jamais contrôler quand on va saliver. Et dès qu'on salive, c'est très important parce qu'en fait, ça rafraîchit la bouche et en même temps, on a envie d'avoir un autre verre. Et c'est très bon pour nous. C'est très bon pour nos ventes aussi quand on salive. Donc, vous pouvez saliver beaucoup ce soir. Et c'est vrai que c'est un moment important. I just say that. The only thing you cannot control when you taste or when you drink wine is when you salivate. And when you salivate, you refresh your mouth and you need food and you need one more drink, which is important for us. Let's move to Villemajou, Château Villemajou Grand Vin, 2019. We are back in the roots. We are back in a family. And my father, Georges Bertrand, was a pioneer. He was the first to believe about the potential of the South of France wines. He was in the late 60s, and with my sister and myself, we were in the vineyard when we were 10 and 11 years old. And he told me, you know, Gerard, you are lucky because when you will be 50, you will have 40 years of experience. Mon père, Georges Bertrand, qui était un pionnier dans la région, avec ma sœur Guylaine et moi-même, on était dans les vignes et dans la cave à l'âge de 10-11 ans.
Et un jour, il m'a dit, tu as de la chance parce que quand tu auras 50 ans, tu auras 40 ans d'expérience. Two days ago, I just start my 46th vintage. Il y a deux jours, j'ai juste démarré ma 46e vendange officiellement. Et c'est une chance parce que nous avons différents terroirs, différents climats, différents cépages dans cette région, plus de 60 cépages. Et donc, nous pouvons à la fois nous amuser à faire des assemblages qui correspondent au terroir, des assemblages audacieux dans les régions d'IGP. Et Surville Majou, en fait, c'est moi qui ai planté du Corbière blanc parce que mon père faisait que des vins rouges. Et dans les années 90, j'ai décidé de planter donc de la Marsanne, de la Roussanne, du Grenache, un peu de Vermentino pour faire aussi un Corbière blanc parce qu'en fait, en Corbière, on a des terroirs de galets roulés, des terroirs donc comme un peu à Châteauneuf-du-Pape avec ses silex. Voilà, in the Corbière area, we have you know, white pebble like in Châteauneuf-du-Pape, you know, and silex. And this is very amusing because you can feel the taste of that in the wine as well. The wine has been aged also in French oak for 7 months. What do you think, Andreas? Well, I think this is a prime example because going from La Clap, which was more on the citrusy, lemongrassy, herbal side, traditional varieties, here, of course, the grapes from the north, from the northern Rhone or wherever they're originate from, the Marsanne Roussanne, they take much more the place. You feel much more boldness and opulence here, that rich yellow fruit, the apricots, and the yellow plums, and which is again a good expression of the place, because here we're closer to the sea, we have more of that salivating sensation. Here we have much more of the opulence and the broadness. Alors maintenant on va passer à la Sauvageonne. Alors la Sauvageonne, ce que j'ai pas dit aujourd'hui, c'est que nous allons goûter 4 millésimes différents durant ce tasting. Nous allons goûter du 2017, du 2018, du 2019, du 2020. Juste vous dire quelques mots pour les millésimes. 2017, c'était une année très sèche, très chaude. On a eu un été fantastiquement chaud, puisqu'on a eu des températures au-delà de 40 degrés, ce qui est très rare ici. 2018, ça a été, je pense, un millésime parfait. Surtout pour les vins rouges, avec de la pluie au printemps, un été normalement chaud, et surtout des conditions fabuleuses durant les vendanges. Alors 2019, on a eu beaucoup d'eau au printemps, ce qui est bien. On a eu un été qui a été, en fonction des climats, qui a été plutôt pluvieux du côté du Larzac, plutôt sec dans les Corbières. Donc nous avons aussi dû démarrer les vendanges très tôt et finir très tard. Donc je me souviens qu'on avait démarré le 20 août et on a fini le 15 octobre. Et l'an dernier, 2020, ça a été un challenge. Donc on a eu un très beau millésime pour les blancs et les rosés et un millésime de combat pour les rouges. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher la maturité. Ça a duré beaucoup de temps, donc il a fallu effeuiller, il a fallu faire un travail de précision. I just say that 2017 was very dry. It was one of the driest years since maybe the 80s, and we had some temperature above 40, which is very rare there. The 2018 was a perfect vintage, especially for the red. And 2019, you know, was different between, the Corbière part, very with some dryness, and enough water in the Terrasse du Larzac in the north. And 2020 was a battle. It was perfect for white and rosé. And we had to wait to get a phenolic maturity with the red. That means we had to to remove the leaf and to work hard in the vineyard. And for 2021 is very promising. We hope to have a change of weather starting next Tuesday, because next Tuesday will be the equinox. And equinox is very important for the harvest. Je dis que à partir de mardi prochain, on va avoir l'équinoxe d'automne, qui est vraiment un changement incroyable dans les climats et dans notre capacité à travailler la biodynamie. C'est vraiment peut-être le changement le plus important que l'on voit pour la dégustation d'un vin avant l'équinoxe et après. Alors pour revenir à la Sauvageonne, donc c'est un terroir qui est un terroir particulier puisqu'on a à la fois du schiste et des sols volcaniques qu'on appelle les rufs. Voilà. Et
La Sauvageonne, c'est vraiment spécial. C'est un endroit magnifique, préservé. La diocèse à Château-La Sauvageonne, une terrasse du Larzac, is very distinctive terroir. This is a combination between schist. And these schists are very particular. They are phonolithic schist. That means you can play music with schist. You know, if you have two stones, you can play music with them. And then we have some volcanic salts. What do you think about the grape blend and as well as the wine, Andreas? Well, I think this stylistically, I mean, you can play with the schist or you can make wine that sings from the schist soils, voilà. No, I think this sits between the La Clap and the Corbière because it's here we have, I mean, which is, I mean, it's a beautiful place. We are in the Terrasse du Larzac, which it says Languedoc on the label, but Terrasse du Larzac is only an appellation for red wine. The advantage here is, of course, you speak about the soils, but we're also situated at altitude up to 350 meters. So, despite the generosity of the sun during the day, there are really cool nights. And I think this finally manages the combination of the generosity, the ripeness of fruit with a nicely fresh backbone. Donc, je pense que c'est tellement voilà, une bonne association entre La Clap et Villemajou. Donc, c'est les cépages du sud, c'est aussi les cépages du nord quand on parle de Roussanne, Viognier. Et aromatiquement, on sent l'opulence des derniers deux, mais je pense qu'en bouche, c'est quand même un peu plus, il y a un peu plus de contraint, positivement contraint. Et grâce à l'altitude aussi, et parce qu'il y a des nuits fraîches malgré le soleil qui est très généreux la journée. Donc, c'est tellement une belle gamme de Languedoc blanc, très différent. Voilà, c'était exactement ce que je voulais dire parce que on est connecté, on n'en a pas parlé, mais parfois on déguste les trois vins côte à côte. C'est-à-dire que je demande à ce que les gens les goûtent côte à côte pour comprendre que dans le Languedoc, avec des assemblages qui sont souvent des dominantes des mêmes cépages, on arrive à faire des vins très différents. Voilà. Et pourquoi ils sont différents? Parce qu'en fait, c'est le terroir qui fait la différence. Et pour avoir des vins qui expriment le terroir, il faut des sols vivants. Et pour avoir des sols vivants, il faut arrêter d'utiliser des pesticides, des herbicides, et au contraire revenir à la tradition vigneronne. Et d'ailleurs, il y a un magazine en France que je vous recommande qui s'appelle Le Vigneron, qui est formidable. Et expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que d'avoir des racines qui vont en profondeur et qui vont chercher vraiment le goût du terroir. I just say that very often we like to play with the three whites in the same time, Château l'Hospitalet, Château Villemajou and Château la Sauvageonne, because they are more or less made with the same grape varieties. And what makes the difference? What the difference is made has been made by the sense of place, by the when you can feel the taste of somewhere, the taste of the terroir. And you cannot have this kind of sensation if you don't have a living soil. I mean, and to have living soil, you need to work hard in the vineyard using organic and biodynamic processes in order to reinforce the vitality of the vine as well as the roots, which are going deeper in order to capture really the sense of place. I hope you enjoy the difference with these three wines. Now we move to a very special place. This is Cigalus Estate. And this is where I live with my family. And some people, and Emma was there, she said sometime, no, this is not where you live. This is where you are supposed to live. Because I was supposed to travel very often, but now I am stuck in the south of France. And this is really where I live. Cigalus Estate, c'est là où j'habite avec ma famille, avec ma femme Ingrid, Emma et Mathias, mes enfants. Et en fait, Emma qui est là dit parfois, non, c'est pas là où tu habites, c'est là où tu es supposé habiter parce que tu voyages souvent. Mais réellement, depuis 18 mois, j'ai re vraiment redécouvert Cigalus. Et c'est un endroit magnifique qui est dans les Corbières. Mais l'ancien propriétaire, c'était un passionné de chasse. Il était parisien, il venait là uniquement pour la chasse. Et un jour, il s'est fâché avec le président de l'appellation Corbière dans les années 70. Et il a dit, puisque c'est comme ça, je vais arrêter de planter des cépages locaux. Et il a commencé à planter du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, du Merlot.
Et quand on est arrivé en 95, j'ai continué, j'ai dit, tiens, on va planter du chardonnay, du viognier et du sauvignon, ben, pour faire un assemblage avec les trois parmi les plus beaux cépages du monde et français. Et I just say that, of course, when we arrived there in 1995, we follow the, you know, the journey of the previous owner, who start to plant for crazy reasons, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, and Merlot, and we follow up with Chardonnay, Viognier, and Sauvignon. And it was amusing for me to create a wine, you know, very distinctive. What do you think, Andreas? Well, I think it's today very much people would say, why do you plant Viognier and Sauvignon and, you know, Cabernet and stuff? Because the trend is very much indigenous varieties. But as we heard this fun story about the former owner who wanted to be a bit sour with the president, and it shows in the end that as these wines are coming to age, and we will taste the red Cigalus as well. And it shows that, you know, that it's gaining much more in complexity and harmony and depth. So combining Sauvignon, Chardonnay and Viognier, it's really grapes from three different parts of France, displaying malolactic fermentations being blocked for the Sauvignon, for the Viognier for freshness. The Chardonnay goes through it because it gives the creaminess and texture. Fermentation in oak, and it's a very different expression. I have to confess that this would be difficult to pinpoint in a blind tasting unless you know it, but maybe in 20 years we will say this is a very typical white modern blend from Corbière. Yeah, and myself I love with this wine scallop, you know, with some cream. And when I remember scallop, I remember about one of my family special recipe. But what about yourself, Andreas? Well, this is a bold wine again, and I think that this is not something you have to pair with a white wine sauce, a beurre blanc. You tend to do for the more fresh, acidic, or, you know, speak about Chablis styles. Bolder, I would think about flavor, something in the direction of white meat, because, you know, I had the chance to taste the cuisine yesterday night, and one of my great staples in life is a perfectly roasted chicken. I think that's the best dish for all the great wines. And then poulet avec purée, c'est ça? Poulet purée de Girolles, s'il y en a. Maintenant, c'est la saison de cèpes, si on peut rajouter un peu de cèpes aussi, mais plutôt la viande blanche ou les poissons grillés, mais pas forcément des choses trop élaborées, parce qu'on a la sauce dans le verre. Voilà, tout à fait. Et on a aussi beaucoup d'esprit dans le verre ce soir, surtout avec Andreas. Alors on va continuer. Maintenant, on passe au vin rouge. Alors, on va revenir au domaine de l'Aigle sur un de mes millésimes préférés, qui est le millésime 2019. Donc, je rappelle toujours 300 à 500 mètres d'altitude, Pinot Noir. Donc vinifié avec à la façon bourguignonne, avec du pigeage, ramassé bien sûr à la main, avec un tri des raisins si nécessaire. Alors 2019, ça a été un très beau millésime à Limoux. Et moi, j'ai beaucoup appris avec le Pinot Noir, Andreas, parce que on a acheté ce domaine en 2006, et les 2-3 premières années, je ramassais parfois un peu trop mûr, parce qu'en fait, j'avais trop en tête l'idée de la Syrah. Et un jour, j'ai rencontré Charles Rousseau du domaine Rousseau en Bourgogne. Et c'était, on était en Corse, on était en 2013, l'année la plus chaude des 20 dernières années. C'était le 17 août. Et donc, avant de parler des vins, il reçoit un coup de fil de son fils, parce qu'il aimait passer des vacances en Corse. Et son fils lui dit, papa, il faut que tu rentres parce que demain, on vendange. Et alors, il lui dit, non, c'est pas possible, on est le 17 août, c'est une blague. Et donc, non, lui, il dit, si, demain, on vendange. I just say that I learned a lot from Charles Rousseau, from Domaine Rousseau in Burgundy. And we were together in Corsica because, you know, he had a house in Corsica, and it was the 17th of August. And before we talk about the wine, his son called him and he said, Dad, you have to come back in Burgundy because tomorrow we start the harvest. He said, no, it's a joke. No, it's true, you have to come back. Et après, donc, on a parlé un peu du pinot. Et il m'a dit, Gérard, il faut pas que tu ramasses le pinot comme un autre cépage. Il faut que le pinot, il craque un peu sous la dent. Donc ça veut dire qu'il faut pas que les pépins soient complètement envoûtés, parce qu'il faut garder un peu ce goût très légèrement végétal qui va donner du caractère aussi au pinot. He said to me that you don't have to pick up the grape of pinot noir as a Syrah.
You don't have to be never over mature. You know what I mean? You have to taste the peeps and you have to feel a very light bitterness on the peeps. And it was a great advice. And you know, do you think I learned from Mr. Rousseau, Mr. Andreas? Not to be paid enough for your Pinot Noir, though. And I'm not saying this is Rousseau, but this is very much a style which is, I mean, we both love Burgundy. What I like with this is that we do have, of course, again, we are situated at altitude. We have that calcareous presence giving the freshness on the finish. But this is a Pinot Noir because I think I had a lot of problem. Well, not a lot of problem. I love... But of solution, I think. Well, Pinot Noir is a prima donna, and every time I, you know, open something which is too young, which is too lean, which is too sturdy, you have to put it back 10 years. This I like this because it's very direct, and I mentioned my experience in the restaurant when I find the old vintages, and I thought it's time to drink, but they certainly develop easily for 10 years. I can vouch for that. Donc, je viens de dire que c'est sûr que. Ce Pinot Noir, c'est ce que j'aime beaucoup avec, c'est direct maintenant, c'est aromatique, c'est généreux. Les tanins sont mûrs, on peut le boire maintenant, mais je viens de goûter quelques vieux millésimes à 10 ans et ils sont superbes aujourd'hui aussi. Hein. Donc je pense que ce n'est pas forcément une contradiction, parce qu'un vin, c'est facile à boire maintenant. Et, on peut le garder quand même très longtemps pour un certain type de vin. Oui, et c'est vrai que prima donna, c'est en fait le Pinot Noir, c'est yin and yang, c'est mâle et femelle en même temps, et c'est vraiment un cépage, comme on dit souvent en France, c'est une main de fer dans un gant de velours. The Pinot Noir is yin and yang, it's male and female, and it's iron hand in a velvet glove. That's why, you know, it's very sensitive, and you have to be educated to try to deliver the best of the Pinot Noir. Now we move to the Chateau La Sauvageonne, Terrasse du Larzac, 2018. We start with the 2011 vintage at Chateau La Sauvageonne. And the first three vintages, we were doing great wines, but I was not happy. Because, you know, we have done the blend, and the driver of the blend was Syrah. And je dis que les trois premières années, donc nous avons fait... l'assemblage autour de la Syrah, le vin était très bon. Et j'étais pas content parce qu'en fait, c'est vraiment l'endroit, c'est the kingdom of Grenache, c'est vraiment le royaume du Grenache, surtout sur ses schistes et ses terres volcaniques, avec un enjeu. L'enjeu, c'est que les terres volcaniques, il faut toujours qu'il pleuve au moins une fois au mois d'août. S'il ne pleut pas au mois d'août, les raisins commencent à se sécher parce qu'en fait, on ne peut pas trop retenir l'eau sur les volcaniques. Donc, allez, je dirais que 4 années sur 5, on a toujours la chance d'avoir un peu d'eau au mois d'août. Donc, I just say that the game changer for the blend into Château La Sauvageonne was the Grenache. And now, since 2015, the driver of the blend is Grenache first, Syrah second, Mourvèdre, and then a touch of Carignan. And the key factor, because we blend volcanic and schist soil, was to have only one rain minimum during the month of August in order to finish the maturity of the grape Grenache. And it was amusing for me to blend schist and volcanic soil because I think that, I don't know if you agree, Andreas, but the volcanic soil provides the minerality, the verticality, and the schist a wonderful texture. I fully agree, and I think what you're saying is it's constant work in progress because, of course, you know, historically, most of the grape varieties you found in Languedoc, it was Carignan and Grenache with high yielding, giving, at best, decent wines. Then the trend came and everyone wanted to plant Syrah. You uprooted the particularly Carignan. And now, coming to this conclusion that the Grenache is the... best suited for this terroir, then Villemajou, where Carignan is dominating, or here Hospitalet, where the Syrah is dominating. So it's an ongoing work in terms of... as usually, I mean, all of these blends are best as blends rather than a single variety. So it's never about one grape variety. And I really think that this is... I think around here, Grenache is... I mean, it's nice as a blending component, but it gives much more sweeter, riper expression. Donc,
Je pense que c'est intéressant parce que c'est toujours un travail, une recherche. Et ici, nous avons la dominance donc de Grenache, Villemachou, c'est plutôt Carignan. Ici, Hospitalet, c'est la Syrah. Et la mode, c'était de planter beaucoup de Syrah et arracher les vieux Carignan. Mais maintenant, on sait par exemple que les vieux Carignan font des vins magnifiques, surtout à Villemachou avec des très vieilles vignes. Donc, on va passer à Villemachou peut-être. C'est ça. Mais par contre, tu nous as pas dit qu'est-ce que tu voulais manger avec, donc ça me manque. Alors, pour moi, ça c'est une expression de Grenache. On a un peu plus de sucrosité. Ça reste sec en bouche, mais il y a quand même un fruit qui est très mûr, plutôt au niveau fruits rouges, les herbes. Je suis un grand fan de la cuisine asiatique. Et quand je pense de la cuisine cantonaise, un canard, on peut laquer, on peut les saveurs, même si je pense au Japon, les teriyaki, donc sucré, salé. Pas trop piquant, pas trop épicé, mais ce côté voilà, un très bon canard. Oui, j'adore le canard, moi aussi. Mais alors, moi, je vais vous faire une autre recommandation. Parce qu'en fait, les terrasses du Larzac, c'est tout près de, bien sûr, du Larzac. Et dans le Larzac, nous avons la viande de l'Aubrac. Voilà. Et la viande de l'Aubrac, elle est magnifiée par un chef remarquable qui s'appelle Michel Bras et son fils maintenant qui a pris la relève. Et moi, j'adore ce vin avec voilà, un bœuf de l'Aubrac maturé 28 jours avec juste à peine un peu de sel. Mais pour le sel, pas n'importe quel sel, un sel de montagne des Pyrénées. Parce qu'en fait, ce que nous avons aussi pratiqué, c'est que nous salons ici la viande avec du sel de montagne. Parce que tous les animaux à cornes sont connectés au cosmos, donc il leur faut du sel qui vient d'en haut. I just want to say that from my one of my best favorite food and wine pairing with this wine is the beef coming from Larzac, from l'Aubrac. And one of the most exciting chefs is Michel Bras from Laguiole. And you know, a beef mature 28 days. And what do we do here at Château L'Hospitalet in our restaurant is to use a very distinctive salt from Pyrénées because we like to use mountain salt for the beef here. This is also a biodynamic principle. I know that you like the beef from Aubrac, yes? Well, I love all good things, and I mean, but I think you're absolutely right. Very often, when it comes to with simpler wines, it's fun to experiment with plenty of spices and you know the molecular things. But when it comes to I like the purity of a great wine, which has the flavor intensity to just be accompanied by a fillet of duck or a great piece of meat. Yeah, and there's a tradition, of course, of this place. But then, when we come to Cigalos, this is a very contemporary blend, so we have to think in different waves. Yeah, it's a Cigalus, and you know, Cigalus is always amusing because this is a blend of Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache, Syrah, Carignan, Calladoc. Et c'est un assemblage très spécial, très spécial entre du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, du Merlot, de la Syrah, du Grenache et Caladoc. Et en fait, on a assemblé des cépages locaux et des cépages internationaux. Et l'avantage des terroirs d'IGP, contrairement à la tradition des AOP, c'est qu'on a freestyle, c'est-à-dire qu'on peut aussi explorer de nouvelles choses. C'est ce qu'on a fait à Cigalus, bien nous en a pris, parce que c'est un vin qui a fait sa réputation et surtout qui est très iconoclaste, Andreas, qui ressemble à aucun autre. C'est sûr, et je trouve que c'est très intéressant. Ça sera aussi un vin assez difficile à déguster à l'aveugle si on ne connaissait pas le vin. Mais ici, nous avons deux côtés. Le côté Bordeaux, parce qu'on sent tellement le fruit très cassis avec les notes aromatiques de la sauge, du Cabernet Franc aussi, que j'adore. Mais également, c'est la mûre, le fruit noir d'ici, charnu et poivré. Et je pense que, bien sûr, c'est l'ancien propriétaire qui a planté les cépages de Bordeaux. Et pour voilà, fâcher le précédent de syndicat. Mais maintenant, avec un peu de hache, et c'est un vin que je suis suivi depuis longtemps et ça gagne beaucoup en ampleur et en complexité.
So, yeah, what I was saying, that this is a very nice combination of the Bordeaux varieties, because you feel that savory, dark, blackcurrant, sage aromas, but at the same time you have the meaty, spicy blackcurrant or blackberry from the south. And again, going back to, you know, indigenous varieties or not, as the former owner absolutely wanted to plant these, they have come to age now, and they are, this is a wine I've been following for a long time, and it's gaining much more in harmony and complexity. And I think that the again, speaking about the harmony, when we speak about wines that are vivid, wines that are bright, this is concentrated, yet underlined by the wonderful freshness and perfectly ripe tannin. Yeah. Alors, maintenant, nous allons venir aux origines. Now we are back to the origin. And the origin is Villemajou, and this is where I start to feel, to get the inspiration from my father. And my mother as well. We work very hard with my father. And this is a very special place. Villemajou, c'est vraiment les origines de la famille. C'est là où on a commencé à apprendre à faire du vin. Et mon père a eu la vision de ce terroir. C'est un terroir très particulier, c'est Boutenac. Voilà, et Boutenac, c'est vraiment, c'est silex qui donne ce coup vraiment goût très typique. Et aussi, bien sûr, c'est le royaume du Carignan. Tu en as parlé tout à l'heure. Alors le Carignan, c'est un cépage qui a été décrié, parce qu'en fait c'était un cépage qui produisait massivement aussi dans la plaine. Mais c'est un cépage magnifique, parce qu'en fait il n'y a pas de grands vins qui ne viennent pas de vieilles vignes, il n'y a pas de grandes vignes qui délivrent pas le message de quelque part. Donc quand un Carignan a 100 ans, ce qui est le cas dans cet assemblage, ça veut dire qu'il est bien là où il est et qu'il transcende le terroir. Il transcende véritablement l'endroit, et en fait il est juste un réceptacle, c'est-à-dire qu'il magnifie, le lieu, et en fait il va délivrer non pas le goût du cépage, mais il va délivrer le goût du lieu, c'est-à-dire qu'il va, venir chercher à 4, 5, 6 mètres de profondeur vraiment le cœur du terroir. I just say that when you can taste a Carignan more than 100 years old, you know, you can feel really the essence of the terroir. It's not anymore the taste of a grape variety. It's beyond that. This is really the taste and the taste of the place, you know. And that's why, you know, when we do the blend, we start with the Carignan, and then we add some spice, you know, like Syrah, and then we add some Grenache and a touch of Mourvèdre. And these four grapes provide the complexity, the elegance, and the origin of Château Villemajou. By the way, this is a 2017 vintage, which was the driest vintage in the Languedoc. But as we had very old vines, you know, the vine doesn't care about the dryness, because with the roots which are going deep, you know, they have enough water to deliver the best. Je dis que 2017, c'était le millésime le plus sec des 20 dernières années, mais comme les racines de ces cépages, de ces vieux Carignans, de ces vieux Grenaches vont en profondeur, elles ont trouvé suffisamment d'eau pour finir leur cycle de maturité. Et quand on goûte ça, il faut réaliser que c'est sûr que le Carignan, c'est tellement un cépage. Si on veut, si on travaille sérieusement, ça peut donner des vins immenses. Et c'est sûr qu'ils sont arrachés à l'époque beaucoup, mais si on regarde la mode, les années 90, ils sont arrachés ici, ils sont plantés beaucoup de la Syrah. C'était la même chose en Espagne, si on regarde Priorat, c'était Cabernet, Merlot, Syrah. Maintenant, parmi les plus grands vins du monde, c'est les vins issus des vieilles vignes de Carignan et Grenache. Si on parle ici en Languedoc, même en Espagne, c'est quand même des cépages méditerranéens qui sont voilà, un potentiel énorme. Alors, est-ce qu'on a le même goût pour l'accord Mézévin avec ce Villemajou 2017? Pour moi, ça c'est très Languedoc, ça c'est très sud de France, c'est très garrigue. Donc, je pense d'un agneau. On croûte d'herbe, on peut de thym, un peu de romarin, les arômes on trouve dans la vigne en toute simplicité. So I was thinking about this to me is a very very Languedoc expression, and another kind of traditional dish, a nice piece of lamb cooked for a long time in the oven in a crust of garrigue or in a crust of wild herbs with a rosemary, with a mint, with a thyme, cooked for a very very long time, so it's so incredibly juicy with great amounts of this wine.
Voilà. You know why I love to make you know, tasting with Andreas, because he's very really talented, and you know, when he share with us you know, his passion for cooking as well, we can travel with him. Yes. Je dis, c'est pour ça aussi que j'adore faire de dégustation avec Andreas, parce qu'il est tellement talentueux que au-delà des vins, quand il nous fait une expérience autour comme ça de la cuisine, il nous fait aussi voyager. Alors moi, je voudrais dire que j'aime voyager aussi avec ce vin, parce que j'ai découvert depuis maintenant de nombreuses années, mais je vais te dire, moi j'adore faire de boire ce vin avec du couscous et de la tagine. Parce qu'en fait, il y a cette générosité dans le vin qui va très bien aussi avec, avec en particulier la tagine, avec ses, tous ces épices, tous ces légumes un peu cuits ensemble. Et l'agneau, c'est parfait. Mais si vous n'êtes pas en France et si vous êtes plutôt dans un pays exotique, je trouve que c'est pas mal aussi. Voilà. Mais, donc, mais il faut rajouter aussi, ça c'est un vin parfait pour les climats plus froids. Si je suis à Stockholm en novembre, c'est pas quelque chose que je veux boire ici l'été, je peux le faire, mais chez moi, novembre avec le gibier, c'est encore mieux. Hein. Ah, le gibier, c'est parfait. Alors on va passer à la soujolle. Alors la soujolle, nous sommes à Malepère. Malepère, c'est en fait c'est la pierre du coin. Et en fait, c'est cette pierre qui a permis de construire la cité de Carcassonne. Alors, en vieux français, Malpierre, ça veut dire mauvaise pierre, ce qui n'est pas vrai, parce que la cité de Carcassonne, elle tient debout. Et on a commencé à la construire au XIIe siècle jusqu'au XIXe. I just say that Malpierre, it's an appellation. It's an appellation, the name of Malpierre means stones, bad stone. But this is not a bad stone, because this is a stone that people use to build the city of Carcassonne from the 12th to the 19th century. And this is a very distinctive, you know, appellation, because we use Cabernet Franc. This is really the kingdom of Cabernet Franc in the south of France, some Merlot and a touch of Malbec. C'est vraiment le royaume du Cabernet Franc en Languedoc, avec un peu de Merlot et une touche de Malbec. Alors nous sommes aussi sur millésime 2017, et c'est un élevage, bien sûr, en chêne français. Alors là, comme c'est quand même des cépages bordelais, nous avons utilisé des chênes français qui sont fabriqués du côté de Cognac, donc dans les tonnelleries qui livrent bien sûr les plus grands châteaux de Bordeaux. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Andreas, de ce 2017 Château La Soujolle? Je pense que c'est encore un très bon exemple de la diversité de Languedoc, parce qu'on parle, bien sûr, on parle de cépage, on parle de sol, mais ici, c'est tellement beaucoup plus d'influence atlantique, parce que après la puissance des villes Majoux, des vieilles vignes, ça, c'est un vin qui peut-être peut apparaître presque austère après ça, parce que c'est un style qui est encore un peu plus bordelais, mais encore pas Bordeaux, et au niveau de la végétation, là, il y a des arbres plutôt qu'on ne trouve pas d'ailleurs en Languedoc. Et j'adore ce style qui est très digeste, avec le fruit rouge de Cabernet Franc. C'est aromatique, c'est élégant, mais pourtant avec des tanins parfaitement fondus. That's I like really this place, because when we speak about the diversity of Languedoc, it's not only about soils, it's not only about grapes. Here we have most, this is the westernmost part of the Languedoc, so we do have much more of the Atlantic influence, just like we can find in Limoux. And I think that this digest side of the Cabernet Franc, with those aromatic herbs, with that very savory red fruit, it's a wonderful expression, and it's a nice responsibility, because after 9 generations in the same family, he gave it to you. Yeah. Well, you bought it perhaps, but yeah, he gave me, but in another sense, yes. But you know, it's a family La Soujolle, and of course they were there since the 18th century, and you know, it's a chance for me, and also I am obliged to try to keep the spirit of the family. Je dis c'est une chance pour nous, mais c'est aussi une obligation de préserver l'esprit de cette famille. Et alors moi, je ne vais pas vous laisser le choix avec ce vin, Andreas, parce que l'accord idéal, c'est le cassoulet. Voilà, donc tu n'as pas le choix, Andreas, il faut passer par là. Donc en fait, il y a plusieurs sortes de cassoulet. Vous savez qu'il y a une grande guerre entre le cassoulet de Toulouse, le cassoulet de Carcassonne et le cassoulet de Castelnaudary. Alors, le château La Soujolle est entre Carcassonne et Castelnaudary, donc l'honneur est sauf parce que nous sommes toujours dans le département de l'Aude, le pays des cathares. Et il y a deux recettes de cassoulet. Il y en a une
où on utilise la tomate et il y en a une où on ne l'utilise pas. Sans tomate pour moi. Voilà. Et l'importance, c'est aussi les haricots tarbés. Oui, les haricots tarbés, mais nous, on a des haricots de Castelnaudary maintenant qui sont en AOP. Donc, I just say that we don't have other choose. The best combination with this wine is the cassoulet. And we have a war, a battle here between the cassoulet of Toulouse, Castelnaudary and Carcassonne. And you have two kind of recipe. You have a recipe made with tomato sauce and one without. And you have two grand chefs, Jean-Claude Rodriguez, who doesn't use the tomato sauce. And then you have the, you know, the cassoulet coming from, you know, a very beautiful restaurant in the city of Carcassonne, you know, where they use a little tomato sauce, but they use also duck and gooses. You know, and that means, you know, it's very, really, really different, but I hope you will enjoy the cassoulet, but for me, the best city is in Carcassonne for cassoulet. But just a very short comment as well. One of the best friends when we are trying youthful red wines with plenty of tannin, which is also very good for our health, which we use a lot in cassoulet, it's duck fat, something which is closely related to this region as well. Yeah, and now we are going to move to Château L'Hospitalet. And Château L'Hospitalet, you know, is a 2019 vintage. And Château L'Hospitalet is made first with Syrah, second with Grenache, and then with a touch of Mourvèdre. This is a combination between limestone soil and schist and marne, sorry. Château L'Hospitalet, c'est un assemblage, donc Syrah, Grenache, Mourvèdre, avec une dominante de calcaire et un petit peu de d'argile qui sont des marnes. Et voilà. Et donc, nous avons bien sûr un climat qui est très spécial au Château L'Hospitalet, puisqu'on est à 350 mètres d'altitude. Donc, quand notre voisin, le Château Rouquette, finit les vendanges, nous, on le commence. Donc, on est sur un plateau ici. Et nous avons la chance d'avoir cette fraîcheur durant la nuit qui nous amène cette fraîcheur aussi sur la Syrah. Et ce vin aussi a été élevé 12 mois en barrique. Alors, Andreas? Alors, j'adore ce vin parce que je pense maintenant, je sais que c'est un vin qu'on peut garder très longtemps, mais on sent déjà la sensation parce que pour moi, en général, les vins rouges sur calcaire avec un peu de vieillissement, ils développent les notes séduisantes de la truffe noire. Je trouve également dans le vin les notes de tapenade. Et autour ici, il y a des oliviers, il y a beaucoup de la truffe. Donc, quand on parle de terroir, on parle de la garrigue, mais simplement, j'adore ce vin. So I was saying that I really love this. I know this is a wine that ages beautifully, but it's already starting to develop, which I love. Something I commonly find in wines, red wines from calcareous soils, it develops these beautiful and seductive notes of black truffle. And I already get some of that truffle, some of that meatiness in there. And around here, there are we find truffle and we find olives as well. So to me, this is the tapenade, the truffle, and that seductive black fruit. To me, it's simply beautiful to drink now. Yeah, and what about the black fruit? I am thinking about cassis et mûre, black currant and blackberries. Yeah, I fully agree. That's the to me, the Syrah, I would have to say one distinct fruit for the Syrah would be the blackberry. Yeah, and I like also sometimes to have some flower notes of violet. We like the violet in the Syrah, and you know, as Andrea said, this wine has a huge potential of aging. That means you can drink this wine now, but you can keep in your cellar for the next 30 years, and you will see the development of secondary and third aroma. Je dis que ce vin, il a aussi un potentiel de garde phénoménal. On peut le boire maintenant, mais on peut le boire dans 20 ou 30 ans. Et alors, qu'est-ce que tu mangerais, toi, avec ce vin? Oui, très souvent, quand on parle de vin et les accords, c'est toujours homard, crustacé, Saint-Jacques, la truffe. Le plat idéal avec ça, c'est un juicy bacon and cheeseburger. Avec la bonne viande, l'oignon caramélisé, un peu de vieux comté, brioche. C'est un de mes plats préférés. Quand c'est bien fait avec un grand vin comme ça, j'adore. So I was saying that very often with these
when we speak about food and wine pairings, we speak about truffles, lobster, scallops, turbot. It's not, I mean, I like simple dishes or everyday dishes when they are elevated a little bit. So imagine just 50% of chuck roll, 50% of brisket, brioche bread, caramelized onion, some Gruyere or Vieux Comté cheese, a dash of apple smoked bacon. I'm in heaven. Yeah, I fully agree, Andreas. And the last red now, but not the least. Le dernier, mais pas le moindre, donc c'est le Clos d'Aura 2018, qui est certainement l'un des plus grands millésimes de Clos d'Aura. Donc Clos d'Aura, nous sommes à Minervois-la-Livinière, nous sommes au-dessus d'une faille géologique. Nous avons quatre cépages, Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan. Clos d'Aura, one of the best vintage with the 2018. We are above a geologic fault. We have four grape varieties, Syrah first and then Grenache, Mourvèdre and a touch of Carignan. We are in La Divinière, the crew of Minervois. And you know, we are close by the Black Mountains. I mean, we have during the night, you know, a wind coming from the Black Mountains. That's why it's a kingdom of Syrah in La Divinière. Et effectivement, notre idée au Clos d'Aura, c'était aussi de délivrer un message. Le message du Clos d'Aura, c'est paix, amour et harmonie. I just say that the message of the Clos d'Aura is peace, love and harmony. Harmony of the nature, the peace in the heart, you know, and love, because we have to spread out the message of love. And this is what we do there tonight. And more, you know, what we want also to express is really the sense of place of the and the beauty of the Clos d'Aura. To me, this is, I mean, often in tastings you say this is not the right place for this. This is, of course, the top, the crème de la crème, the cream of the crop. This might appear, after the power of Hospitalet, this might appear a bit shy. And this is something that needs time to open. But I must say that this is... this is a wine I actually had an old vintage last week with a friend, and he thought it was Pomerol. And of course, your good friend who helped you with this in terms of vinification and blending was Mr. Jean-Claude Berouet, who made 40 vintages at Chateau Petrus, a small estate in Pomerol. Maybe you never heard of it, but I'm not saying this is Petrus, but you certainly feel that. I mean, I love Hospitalet for its power. That this is a contrast. This is a wine about finesse, about nuance and elegance, needing its time to develop into its full glory. Yeah, you know, we like also in here in the company to make blends sometime with very famous and distinctive people, not because they are famous, but because they have a great knowledge and experience. Je dis que parfois nous aimons faire aussi des assemblages et s'enrichir avec mes équipes et partager des moments de dégustation et d'assemblage avec des gens très reconnus comme Jean-Claude Berouet, qui est mon ami et qui est à la fois un poète et un scientifique, il a les deux, avec mon ami Kyriakos aussi à Limoux. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à gagner à partager des expériences, parce que nous avons l'expérience du terroir, nous avons l'expérience des différents millésimes. Et ces gens-là, ils arrivent avec un côté un peu vraiment nouveau, et ils remettent en question un peu ce qu'on fait. Et donc, à la fin, on est toujours d'accord. Parfois, ça prend du temps, ça prend 2, 3, 4 séances de dégustation. Mais c'est toujours amusant parce qu'en fait, notre recherche perpétuelle de l'excellence nous amène à toujours nous remettre en question et à aller plus loin. I just say that we like also, you know, because our passion is to develop the excellence, and that's why we like to ask questions and to put every year, you know, and to try to innovate and to see what we can do better. And this is also a trade-off, and this is also what we like to do in this region. Alors ce soir, nous avons fini la dégustation des rouges, mais d'abord, je voudrais que vous vous applaudissiez parce que vous avez été fantastique. You can applaud yourself because you were fantastic because of you, you know. You will remember this first outside masterclass with the four season during the masterclass, the rain, the, you know, the tasting in the rain.
Et je dis que effectivement, on va se souvenir tous ensemble de cette masterclass très spéciale, de ce tasting in the rain. Mais comme on a fini, mais pas tout à fait, c'est pour ça que j'ai fait venir deux personnes pendant la dégustation. Nous allons vous servir maintenant l'apéritif et vous pourrez après vous lever, mais on va vous dire, on va vous révéler un vin spécial à tout de suite. C'est le Villa Soleia 2020. Ils sont en train de vous amener des verres. Et le Villa Soleia 2020, c'est le premier iconique vin orange que nous produisons. Et avec Andreas, on va vous partager en avant-première, puisque c'est le premier jour où nous lançons ce vin. Il n'y a aucun client qui l'a goûté dans le monde. Nous allons vous expliquer notre passion pour le vin orange. I just say that today is a very special moment because we are going to launch officially the Villa Soleia 2020, which is the first iconic vin orange. We just want to share with you now the Villa Soleia, and people are going to start to pour the wine now. What do you think, Andreas, about the category of orange wine? Can you teach us a little bit about the origin? Well, it's a very old tradition. It's not, today it's kind of fashion in one way because people are going back to it. But we are always reinventing ourselves, going back to history. And of course, the Romans made orange wine, and the origins were really in Caucasia, in Armenia and in Georgia. And orange, by definition, is of course a white that has gotten maceration. It gets tannin, it gets extract. And I knew for Gérard, he was a bit stubborn because it took long time before he could consider making orange wine. He tasted a bunch of them before you were really happy with what you found. Donc, je viens de dire que un vin orange aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu à la mode parce qu'on a revisité le style, mais c'est un style ancien qui fait par les Romains, les Georgiens aussi. Le berceau des vins oranges, c'est tellement en Caucase. Et techniquement, c'est bien sûr, c'est des cépages blancs vinifiés comme les rouges avec une macération. Et à l'époque aussi, hein, les vins étaient élevés plutôt dans les amphores, dans les jarres. Et tu as pris cette approche, mais dans la modernité, parce que donc ce vin, c'est un élevage en amphores, en matériaux différents, également en bois. Oui, c'est vrai, Andreas. On vous demande juste encore une minute d'attention. C'est vrai que c'est important de partager ce moment avec vous. This is very important to share this very unique moment for me, my team, with all of you. This is a unique blend made with local grapes here from La Clap, made with Roussanne, Vermentino and Viognier. And my team and myself, we have tasted 75 different wines. And the idea is to keep the tradition from the Georgian. Remember that they start to produce wine like this 8,000 years ago. It's crazy. This is really the origin of orange wine. Les Georgiens, ils ont commencé, si on lit un peu les livres, à produire ce genre de vin il y a 8000 ans. Il faut juste se souvenir de ça. Donc on doit leur... we have to pay a tribute to these people. On doit vraiment leur rendre grâce pour ce qu'ils ont fait. Et en même temps, on a voulu vraiment garder la tradition, mais réinventer les vins oranges, transformer les tanins par de la structure, et passer d'une grande amertume par une légère amertume, pour avoir un vin qui puisse voyager, un vin qui puisse vraiment offrir aussi différentes occasions de consommation. Et je sais, Andreas, que tu as beaucoup d'idées pour ça. Bien sûr, parce que c'est une nouvelle catégorie. Dans le bonne carte vin, bien sûr, on trouve les effervescents, les blancs, les rouges, les rosés, mais également les vins oranges. Et quand on parle des accords avec ça, il n'y a pas des règles et on peut faire ce qu'on veut. Pour moi, ça, je pense beaucoup de Moyen-Orient, les côtés orientaux, le marché aux épices, parce qu'il y a, ces notes. Bien sûr, nous avons le fruit qui est très opulent, apricot, ananas grillé, mais également cardamome, la cannelle, énormément d'épices. Et je pense avec les... tu viens de parler de tagine, je pense d'un curry d'agneau, un style indien. Je pense
beaucoup de choses. Après, je pense qu'on va l'avoir avec un peu de fromage aussi, parce qu'on est les deux, nous sommes fans des fromages qui puent. Thus, I was saying we are both fans of stinky cheese, but in terms of flavor here, this to me is an oriental spice market. It does have the exuberance, it has the flowery notes of the dried flowers or the rose water you find in the Orient, the opulent apricot, pineapple, but the cardamom, the cinnamon. So it's very far from a white wine, it's very far from a rosé, it's very far from a red wine. So I think really orange wines has become a new category. There's no definition of the style, because I mean the span of orange from being, you know, just slightly macerated to having been on the skins for half a year or a year, going into oxidation and more funky notes. This is more of a, well, I would say modern interpretation of it. Oui, et en fait Andreas a presque tout dit. Je voudrais dire aussi que pour moi, les grands vins oranges, ce sont des vins qui sont multidimensionnels. Parce qu'en fait, ils vous transpercent, ils évoluent aussi, et en même temps, ils ont à la fois la verticalité, la profondeur, ils vous remplissent la bouche. Et pour nous, c'est formidable, et en tant que vigneron, pour moi, c'est comme une renaissance, parce que ça nous permet aussi de nous réinventer, et ça permet aussi d'aller plus loin. I just say that for me, it's like a reborn, because these wines are multidimensional. You can feel the verticality, the dip, and also the wine is full in your mouth. And as well as you can discover a new food and wine pairing, which is also amusing. And I think also I would like to have this kind of wine with the Chinese cuisine. Mexican. Yeah, and Mexican cuisine as well, because it's very spicy, yes. Vino naranja con carnitas, c'est una cosa mi gusta muchísimo. Salud. Alors, vous dire aussi que donc sur la bouteille, on a voulu avoir bien sûr barbacoa. Une bouteille avec le doré qui symbolise la lumière, et puis la fleur de vie qui est une expérience en elle-même que vous pouvez retrouver à la Villa Soleia, voilà, et qui symbolise aussi l'infini, qui symbolise bien sûr la beauté de l'univers. Donc nous avons aussi porté ce message sur la bouteille et essayé de délivrer cette intention avec ce vin de Villa Soleia. Alors, c'est jamais la fin, c'est le début maintenant d'une nouvelle expérience, puisqu'il est temps de nous lever. Avant qu'on se lève, je voudrais qu'on lève notre glace, qu'on lève notre verre à chacun d'entre vous, et encore vous remercier pour votre attention et pour votre présence ici ce soir. Cheers. Cheers to all of us. Et on peut applaudir Andreas Larsson pour sa brillante intervention. Merci. Voilà, donc, c'était Masterclass in the Rain. C'était vraiment très amusant de le faire. He was tasting in the rain. Merci, thank you all of us. Merci beaucoup à toutes et à tous.